journalistes étaient en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Aujourd'hui, la liturgie, notamment par la parole de Dieu que nous venons d'entendre, s'accorde bien avec ce temps des vœux qui marque le début d'une nouvelle année. Il y est question en effet de naissance et de renaissance, de retour, de renouveau. Dans notre monde incertain, qui se prend souvent à douter de son avenir, la réaction la plus spontanée est celle de la frilosité, de la peur du changement, de l'indécision face à des questions urgentes. On nous promet trop de réformes qui n'arrivent jamais. Autre réaction, se précipiter dans des projets présentés sous la bannière du progrès, mot qui souvent ne veut pas dire grand-chose, projet qui menace sans qu'on veuille le regarder en face. Les équilibres qui structurent la famille et la personne humaine. Certes, rien ne peut être figé, comme le rappelle le vieil adage, la vie est dans le mouvement, mais encore faut-il savoir d'où l'on vient et où l'on va. Pour nous guider, y a-t-il boussole plus sûre que ce que Dieu a voulu nous révéler de lui-même et que ce qu'il souhaite pour nous? Les trois textes bibliques que nous venons d'entendre peuvent largement éclairer notre route. Le prophète Isaïe s'adresse à un peuple qui vit l'épreuve de l'exil. Au fond, cette épreuve lui a été bénéfique. Elle lui a permis un approfondissement de sa foi, en particulier dans son rapport à Dieu. Ce dernier n'est plus le Dieu des éclairs et du tonnerre, le Dieu qui impose, le Dieu vengeur. Isaïe le présente comme un berger compatissant qui porte ses agneaux sur son cœur, qui prend soin des plus faibles. C'est à une véritable renaissance que ce peuple est invité. Pour retrouver Jérusalem et la terre promise, il n'est pas question d'en rester au sentier battu. Une route nouvelle est à tracer, une route aplanie et redressée, comme le demande la voix qui parle, voix qui n'est autre que celle de Dieu parlant par son prophète. C'est une très belle image de la destinée humaine qui nous est ainsi présentée. Malgré les chaos de la route cabossée de notre passé, des bras nous attendent, des bras qui invitent, des bras prêts à nous porter si la fatigue et le désarroi se font sentir. Est-ce ainsi que nous savons regarder Dieu?
mais également est-ce ainsi que nous savons nous porter vers les autres, avec un regard renouvelé et avec le désir de les faire grandir. C'est les uns avec les autres, les uns par les autres, que nous pouvons entrer dans cette démarche ouverte pour nous au jour de notre baptême. Saint Paul, dans sa lettre à Tite, son compagnon de mission, nous a dit « Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. » Le Christ vient ainsi nous rappeler que nous sommes toujours à naître et que c'est cela qui fait notre vraie jeunesse, une jeunesse qui n'est pas seule inventée par les artifices et étalée dans les magazines, non, une vraie jeunesse du cœur, un cœur disponible, confiant, mais aussi un cœur vrai et exigeant. J'aime particulièrement cette parole du cardinal John Henry Newman, récemment béatifié. Ici-bas, vivre, c'est changer. Et pour rester le même, il faut changer souvent. Ce serait pas mal de faire de cette invitation la règle de vie de notre année. Elle n'est pas aussi paradoxale qu'elle peut sembler. Le changement qui est l'axe de cette parole n'est pas celui de la mode, celui qui consisterait à transformer les apparences. Non, le changement est celui qui consiste à entrer plus en profondeur, comme le mineur s'enfonce en terre pour dégager le minerai précieux. L'éducation, par exemple, ce n'est pas poser des principes a priori. C'est certes donner des règles, mais après avoir bien pris le temps de considérer en profondeur chaque être humain. Les parents qui ont plusieurs enfants savent par expérience que chacun doit être compris à partir de lui-même, de ce qui fait sa personnalité irréductible à celle des autres, à partir de ses richesses à déployer et de ses limites à dépasser. Aujourd'hui, plus que jamais, fleurissent des livres de pédagogie. Certains peuvent être justes et utiles, mais quant à nous, n'allons pas chercher trop loin. Si nous prenions le temps de contempler le Christ et de méditer son message. En Jésus, Dieu a plongé dans notre humanité. Regardons-le dans l'évangile que nous venons d'entendre. Il est au milieu de la foule qui se presse sur les bords du Jourdain, homme parmi les hommes. Il semble attendre son tour avec toute la patience qu'il faut pour apprendre à devenir un homme. Il ne bouscule rien, il ne fait pas la révolution comme ces utopistes dangereux qui veulent changer les structures en se gardant bien de se remettre en cause eux-mêmes. Non, Jésus ne s'appuie que sur cette expérience vécue dans son incarnation et révélée au jour de son baptême par Jean, « En toi, j'ai mis tout mon amour. » Au fond, toute la vie, tout le message de Jésus n'ont qu'une seule source, l'expérience qu'il a faite de l'amour de son Père. On ne peut transmettre que ce que l'on a appris et expérimenté. Par notre baptême, c'est l'expérience du Christ qui a été faite pour chacun de nous. Avec lui, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes appelés à sortir de tous nos vieillissements devenus nos vieilleries pour entrer dans cette vie où l'amour rend libre et bannit la peur, où l'amour nous permet de vivre chaque instant comme une rencontre, comme un changement
qui nous permet enfin de nous trouver nous-mêmes. Amen.